Hey, salut à tous les amis, c'est Kiki Marino, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Hey, salut à tous les amis, c'est de la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais aller m'écouter, ça va être ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale, et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai dépassé la barre des 50 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, vous commencez à être vraiment nombreux derrière moi à me soutenir. Et pour ça aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale, une FAQ, une foire aux questions, vous m'avez posé, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur Twitter, et donc je vais y répondre à quelques-unes. La première question c'est comment se fait-il que tu aies eu autant de succès en aussi peu de temps? Je pense que c'est avant tout grâce à mon travail, j'ai vraiment beaucoup donné de moi pour faire ces vidéos ces derniers temps. Et je pense que le travail paye, et surtout quand il y a de la passion, quand on est vraiment à fond dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment la recette du succès. Deuxième question, comment fais-tu pour être aussi talentueux? Je pense que tout simplement c'est naturel, c'est inné, je suis né comme ça et du coup je n'y peux rien. Il faut aussi mettre beaucoup de passion dans ce qu'on fait. Moi c'est les vidéos YouTube et je pense que ça aide beaucoup. Le travail aussi hein. Troisième question, de quel youtubeur t'es-tu inspiré quand tu as lancé ta chaîne? Et ben moi c'est pas compliqué, il y a un youtubeur pour lequel ça a vraiment été le déclic, où je me suis dit faut que je fasse quelque chose sur YouTube. C'est Joel Sicilien. Moi j'aimerais lancer une petite annonce à Katsumi. Tu peux vraiment même me chier dans la gueule. Franchement Katsumi, même ta mère, je la bouffe tellement que t'es bonne à mort. Et elle m'a demandé de m'occuper de la chaîne. Puis de la chaîne, j'avais vu un trou tout rose. Et ce que j'ai fait, ben, j'ai mis une capote et j'ai commencé à baiser la chèvre. J'ai vraiment adoré ce qu'il fait et je me suis dit que si lui pouvait faire quelque chose, je pouvais faire quelque chose. Quel est l'objectif de cette chaîne? Et bien l'objectif de cette chaîne, c'est un pentax. C'est un 10 mm focal fixe. Et dernière question, quel avenir pour la chaîne? Bah tout simplement je pense que je vais continuer le gaming, surtout sur Minecraft, parce que j'aime beaucoup Minecraft. Et je pense que c'est vrai un jeu qui est porteur à l'heure actuelle. Mais je pense aussi me tourner vers d'autres horizons, proposer d'autres contenus, surtout des vlogs, en essayant d'être un petit peu, innovant sur, sur l'école, sur les profs, des choses comme ça. Et voilà, on verra bien, adviendra ce qui pourra. J'espère vraiment que vous allez continuer à me suivre. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie encore une fois pour être aussi nombreux à vous être abonnés, à toujours me soutenir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, laisser un commentaire pour me dire que vous allez laisser un pouce bleu et partagez cette vidéo pour montrer à vos amis que vous avez laissé un commentaire pour dire que vous aviez laissé un pouce bleu. Je compte sur vous, à la prochaine, ciao !